Gaëtan Robaille, j'ai 25 ans et je suis né à Saint-Paul-sur-Ternoise, mais j'ai plus vécu du côté de Arras. Je suis un garçon assez réservé quand je connais pas. Après, quand je connais et qu'on me parle, ça va beaucoup mieux. J'étais au club à l'âge de 9 ans. Où j'ai passé des belles années, à part les six derniers mois, où ça s'est un peu moins bien passé parce que je jouais plus beaucoup. Donc, vu que j'étais pas sous contrôle, j'ai décidé d'arrêter l'aventure avec le club et essayer de me relancer dans un club amateur. J'ai jamais lâché, j'ai toujours eu être footballeur professionnel. Et aujourd'hui j'ai réussi mon rêve d'enfant. Et revenir au club, c'était pas un objectif, mais dès que l'occasion s'est présentée, j'y ai réfléchi, mais pas. Enfin, c'est le cœur a parlé et j'ai foncé sur l'occasion. Alors moi, à la base, quand je suis venu à Lens, j'ai été formé neuf, attaquant de pointe. Mais avec les années, j'ai un peu reculé et je me suis un peu décalé aussi sur le côté gauche plutôt, où je suis plus à l'aise pour rentrer sur mon pied droit ou même déborder pied gauche. Après, si le coach me demande de jouer derrière l'attaquant dans l'axe, ça me dérange pas parce que je l'ai déjà fait aussi quand j'étais à Arras en CFA. Donc, après, je suis un joueur pas très rapide. Techniquement, je suis à l'aise des deux pieds. Dans l'agressivité, on me l'a toujours reproché, donc faut que je travaille. Et mon jeu de tête aussi, malgré ce qu'on a pu voir sur le dernier match, mais il y a quand même du progrès à faire. Je pense que je vais avoir des frissons. Ouais, je pense que les frissons vont être là. Après, pas que sur le premier but, je pense que même sur les autres, il y aura toujours des frissons. Parce que Bollard sera quasiment plein à chaque match, donc ça va nous donner des frissons. Chers supporters, merci pour votre accueil et cette année je donnerai tout pour aider le club à remonter la Ligue 1.